Nous remercions au nom des délégués de quartier de la commune de Sangalka, monsieur le maire qui a eu l'idée de prendre cette initiative. Et mon prédécesseur vient de le dire, il ne faut pas attendre, il ne faut pas appeler le médecin après la mort. Mais il faut appeler le médecin avant la mort. Et c'est ce que monsieur le maire a fait. Aujourd'hui, on est présent dans une finalité. Parce que c'est un travail mûri que monsieur le maire a fait depuis des mois. Amoul Kok, vous savez, vous n'êtes qu'une commune, des Diarul Fouf, concertez-vous avec les délégués à Kilifa Yi qui dit une commune concernant des inondations. Je suis la politique depuis 1955. J'étais un militant du PAI, PAI clandestin, le monde s'arrête. Donc j'ai assisté à la politique de Senghor. J'ai assisté à la politique de tous les présidents qui ont passé. Je suis un écrivain parce que je suis un historien de profession. Je fais la déduction des choses, mais pour la première fois que j'ai trouvé un nom assidu, une personne qui a une droiture correcte, qui fait tout ce qu'il pense à l'individu avant que tu le réclames. Donc nous vous disons, Michel Bocard Pouman, nous vous remercions dans votre tâche et nous vous souhaitons une longue vie. Donc nous vous disons, Michel Bocard Pouman, nous vous remercions dans votre tâche et nous vous souhaitons une longue vie. Et non seulement nous ne voulons pas que vous soyez le maire de Sangalka, mais nous voudrons même que vous ayez le portefeuille de député maire ou ministre de la République. Qui peut l'avoir? Parce que Dieu ne dort pas. Dieu paye l'individu sur le bon chemin qu'il mène pour les autres. Et c'est un combattant pour les autres. Et non un combattant de poche. J'ai assisté à beaucoup de maires. J'ai vu beaucoup de maires. J'ai vu beaucoup de politiciens ici. Mais hélas, voilà un homme conscient qui pense aux autres. Et à travers cela, je tends aussi la main à mes collègues. À mes collègues. J'ai bien mes collègues. Plus particulièrement au président Soukadou, qui est le président des chefs de village. La bonne collaboration que nous avons commencé à le faire, que nous continuons dans cette lancée. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est une très bonne collaboration. Aujourd'hui, un enfant volé à Dakar, le délégué de quartier et le chef de village, dans leur parfaite collaboration, on retrouve cet enfant à la frontière de la Casamance. Par uniquement la communication des groupes WhatsApp. Un enfant qui se perd aujourd'hui à Sangalkam, dans 10 minutes, il peut être retrouvé à Tiaonpol ou même à la frontière du Mali par la collaboration des délégués et des chefs de village. Monsieur le maire, le seul conseil que je peux vous dire, continuez sur cette lancée, continuez sur cette cadence. Vous allez tout entendre. Vous allez entendre des flatteurs. Vous allez avoir des mauvais yeux. Mais soyez toujours le chemin que Dieu vous a tracé. Et vous serez dans la réussite totale. Je remercie l'ensemble de la population de Sangalkam tout en m'inclinant auprès de vous si je suis rentré dans la dignité de quelqu'un. Je vous remercie.